Dis-moi, elle aura pas pris un peu de cul, ta sœur? Si elle avait pris que ça, je l'ai croisée dans la salle de bain ce matin et je peux t'assurer que t'aimerais pas l'avoir à poil. Hein. Ah bien sûr que si, je les ai trouvées, je vais te demander où elles sont. Arrête d'être conne, voyons. Et toi, dégage. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Bah dis quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu veux? Attends, il a accepté les termes du contrat? Mais on s'en fout, hein. C'est juste la commande qu'il nous fallait, hein. Et puis comme ça, t'auras plus à te tracasser pour tes actionnaires, hein. Céline! Nous, le super bonus, c'est le week-end. On part? Bah, qu'est-ce qui nous en empêcherait? Et on n'a jamais raté un week-end en famille. Alors, partons! Attends, Muriel, tu nous fais à manger, parce que alors là, voilà, la route m'a ouvert l'appétit. À ce week-end! À la famille! Qu'est-ce qui vient encore nous faire chier à cette heure-là? C'est votre frère? Non, mon beau-frère. Je savais pas qu'il était marié. Elle est morte l'an dernier. Mais vous pouvez pas me ficher la paix. Ah non, mais tu dis que de t'enfuir, ça marchera pas ce soir. On est peut-être bourrés, mais on va en parler, Virginie. Tu l'as revu? Tu as revu le connard qui t'a offert ses boucles d'oreilles? C'est toi le petit con qui se moque à moi? Mais non, j'ai rien fait. Tu veux voir si t'as rien fait? Mais bien sûr, c'est ça. Mais vous en avez vraiment rien à foutre, hein. Mais tout ce qui compte là-dedans, c'est le désir des deux noms. Mais tu vois bien que ça va pas. On fait mes chiens, faut pas le corps. Alex, t'as revu mon portable? Mais va chier! Eh oui, ils sont imbattables, là, ceux-là. T'es en train de me menacer? Je... Allez, laisse-le faire. C'est rare, ça a l'air mieux. Alors, c'est ce que vous pensez tous de moi? Un gros con qui gueule tout le temps. Mais attends, on aura mis du temps à comprendre. Si tout le monde vit bien ici, c'est grâce à qui? Qui est-ce qui vous permet de vous payer toutes vos conneries? C'est qui la pompe à fric qui fait des sacrifices pour tout le monde et qui se casse le cul toute la semaine au boulot? Oh oui, les sacrifices, ses enfants. Arrête. Sa femme. Arrête, Muriel. Et même sa petite sœur. Je te fous la paix pour ce soir. Mais on en reparlera, crois-moi. J'aime te dire quelque chose. Je suis bien content pour toi. Je pensais que t'étais frigide. Je peux te dire qu'elle est pas... Oh, ça va, hein?